Parfois, je souhaite pouvoir remonter dans le temps et prendre d'innombrables décisions différentes que j'ai prises, profiter des opportunités que j'ai eues, valoriser certaines personnes davantage, prendre plus de risques, mais j'ai l'impression que penser au passé me cause de la souffrance. On pourrait penser que si l'on pouvait revenir en arrière, on aurait agi différemment, mais ce n'est pas forcément le cas. On a agi comme on l'a fait pour de nombreuses raisons dont on n'est peut-être pas conscient, et peut-être que certaines choses étaient destinées, si l'on croit en une intelligence derrière tout cela. Le regret est le fait de porter un jugement sur une action passée. Bien sûr, le paradoxe est que c'est ce que l'on a appris de l'action passée qui nous fait maintenant le regretter. Les erreurs sont notre moyen d'apprendre. On doit toucher une flamme pour apprendre qu'elle est chaude. Mais on ne peut pas passer sa vie à souhaiter ne jamais l'avoir touchée. Le problème avec le regret, c'est qu'il vous maintient focalisé sur le passé, qui n'est de toute façon pas réel. Lorsque vous vous surprenez à regarder en arrière avec regret, arrêtez-vous. Respirez profondément et demandez-vous s'il y a quelque chose que vous pouvez faire dans le moment présent pour corriger votre action passée. Oublier ne conduirait qu'à une vie consciente, mais sans sommeil. C'est sûrement aussi une vie misérable. Mais la mémoire n'est pas quelque chose que l'on peut facilement abandonner, même si elle concerne une catastrophe, même si elle est traumatisante. Qui devrait apprendre ou enseigner l'éducation aux catastrophes? Comment pouvons-nous apprendre d'une catastrophe avec ou sans difficulté? Comment vivons-nous et apprenons-nous d'une grande perte? Comment pouvons-nous rendre justice aux victimes ou aux survivants? Peut-on apprendre de la sagesse orientale à surmonter les difficultés causées par les catastrophes? Quelle inspiration pouvons-nous tirer de la citation de Confucius? Rends le mal pour le bien et rend le bien pour le bien. Personne n'est exempté des lois du temps. Personne n'est nécessairement mieux loti que vous, parce qu'il a fait des choix différents. Et si cela vous contrarie en fonction de cette hypothèse, alors peut-être avez-vous besoin de vous rappeler qu'il se passe infiniment de choses en ce moment dans ce royaume dont vous n'avez peut-être jamais la moindre idée. L'univers est beaucoup plus vaste et mystérieux que vous ne le saurez peut-être jamais. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire de votre mieux avec les connaissances que vous avez maintenant, acquises par ces mêmes erreurs. Il m'agace parfois de le considérer, mais la plupart des meilleures choses qui me sont données dans la vie n'avaient rien à voir avec ma poursuite de celle-ci et me sont venues de manière que je n'aurais jamais envisagée. Utilisez simplement votre regret à votre avantage, pour vous assurer qu'à l'avenir, vous avez moins à regretter, au lieu de vous laisser sombrer dans la mélancolie. Bien sûr, nous savons que la santé est plus vitale que la renommée, que la santé est plus précieuse que la richesse, n'est-ce pas? Le savons-nous vraiment? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vécu un bon nombre d'années où ce que je disais croire et ce que je faisais réellement dans la pratique ne concordèrent pas exactement. C'est une forme de dissonance cognitive. Et le regret arrive trop tard. J'ai déjà parlé d'un petit livre dans la Bible, l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, qui est l'un de mes préférés. Je pense qu'il ne comporte que 12 chapitres. Vous devriez le lire. Même quand j'étais jeune, je savais que je ne voulais pas que ce soit mon destin, bien que je ne sache pas trop comment éviter son destin. Plus tard, j'ai beaucoup discuté avec un ami, et il parlait de ses propres regrets. Mince, cela touchait et se rapprochait plus en plus. J'ai eu l'impression d'avoir toujours cultivé mes regrets survenus à un âge beaucoup plus jeune. L'une des principales choses que j'essaierai, c'est de vous rappeler que cet événement ne vous définit pas et que vous êtes une bonne personne. Parlant en tant que quelqu'un qui s'est culpabilisé pour un tas de choses une grande partie de sa vie, cela ne m'a pas fait le moindre bien. Il peut être difficile de ne pas y penser immédiatement après avoir fait quelque chose dont vous vous repentiez, surtout lorsque vous devez faire face à des considérations pratiques et aux conséquences qui en découlent. Mais je vous conseillerais très fortement d'être aussi gentil avec vous-même que possible. Si vous vous traitez gentiment, cela vous aidera vraiment à combattre et à gérer les sentiments de dépression ou d'anxiété. Essaie d'éviter autant que possible de trop réfléchir
de rumination et de vous culpabiliser, si vous sentez que vous vous engagez dans une pensée anxieuse ou dépressive, faites quelque chose qui vous sortira de votre tête. Pour moi, marcher, méditer, écouter de la musique, lire, faire de l'exercice et une bonne respiration profonde du diaphragme sont vraiment essentiels et étonnamment utiles. Parmi les meilleures choses à faire pour lutter contre la dépression ou l'anxiété, il y a interrompre tout. Ce qui pourrait vous plonger dans une boucle de dépression ou d'anxiété et le remplacer par une activité qui déclenchera une spirale ascendante, quelque chose qui dirigera votre pensée vers une boucle positive et un mode de vie plus sain et plus heureux. Selon les principes de Lao Tzu, dans ces cas, le meilleur est de rester calme et serein, de vider les émotions négatives et de retirer le pouvoir à ceux qui vous privent de votre calme. Voici quatre leçons clés à avoir en tête. Le Tao n'est pas rationnel. Il n'est pas non plus anti-rationnel. Il est suprarationnel. La vie est plus que la raison. La vie est plus que ce que l'esprit peut comprendre. La vie doit vous donner plus que vous ne pouvez apprendre. Elle est plus grande que votre capacité d'apprentissage. Elle est plus grande que vous ne pourrez jamais savoir, mais vous pouvez la ressentir. Le Tao est intuitif. Le Tao est plus total. Lorsque tu abordes la vie par la tête, et seulement par la tête, c'est une approche partielle. La confusion est inévitable. Un homme qui essaie de tout comprendre est destiné à tomber dans un piège énorme et ne pourra pas en sortir facilement. Une fois que tu commences à intellectualiser sur la vie, tu commences à t'égarer. La vie doit être vécue existentiellement et non intellectuellement. L'intellect n'est pas un pont, mais une barrière. Cela doit être compris. Alors la parabole est d'une importance immense et nous allons y entrer très lentement, essayant de comprendre chaque phrase, chaque mot en elle. La connaissance n'est pas la compréhension. Elle peut te tromper, mais elle ne peut pas tromper la vie. En ce qui concerne la vie, tu resteras un désert. La fleur de l'amour ne fleurira jamais en toi. C'est le point de vue de base du Tao. Le numéro 1 est « contrôler les personnes difficiles » sans avoir à se battre avec elles. Le taoïsme dit que vivre, c'est comme couler dans une rivière. Nous devrions nous laisser guider sans résistance afin de profiter de l'harmonie. Des concepts tels que la lutte, la confrontation ou la résistance sont l'antithèse de cette idée, de ce concept, où nous sommes simplement encouragés à avancer avec courage et flexibilité. Ainsi, celui qui choisit, par exemple, de se quereller constamment avec des personnes difficiles ne fera que devenir plus découragé et terriblement frustré. Opter pour ne pas se battre ne signifie pas céder ou se laisser submerger. Cela signifie, avant tout, ne pas donner de pouvoir à ceux qui ne le méritent pas, choisir la sagesse plutôt que la violence et opter pour le calme plutôt que d'ouvrir les vannes de l'anxiété. Numéro 2. Videz votre tasse d'émotions négatives. Les personnes difficiles gâchent souvent notre journée avec un seul mot ou un commentaire. Peu importe à quel point leur message est irrationnel, l'inapproprié de leurs actions nous affecte toujours. L'une des astuces du Tao est que moins nous sommes réactifs, plus nous aurons d'espace pour utiliser notre jugement. Essayons donc de contrôler à quel point nous sommes contrariés. Personne n'a le droit de gâcher notre journée. Alors, nous nous viderons de la colère, du ressentiment et des mauvaises humeurs, un par un. Notre esprit doit rester comme une pièce claire, où les vents toxiques entrent par une fenêtre et sortent par une autre. Numéro 3. Soyez proactif, pas réactif. Les personnes difficiles peuvent parfois nous rendre victimes. Petit à petit, nous accumulons tellement de haine, d'inconfort et de frustration que nous risquons de réagir de la pire façon. Ce n'est pas bon. Tôt ou tard, nous regretterons cette réaction et nous regretterons surtout de ne pas avoir fixé de limites au préalable. Le Tao nous recommande d'apprendre à être proactif. Que signifie exactement cela? Cela signifie que nous devons apprendre à prendre le contrôle des choses plutôt que de les regarder se produire. Un conseil que le Tao nous donne est que chaque fois que nous rencontrons une personne difficile, essayons de nous mettre à leur place en utilisant la phrase « ça ne doit pas être facile ».
Cette phrase peut nous aider à comprendre beaucoup de choses. Ça ne doit pas être facile pour mon collègue d'avoir des problèmes avec tout le monde, d'avoir si peu de patience et si peu de contrôle sur ses émotions. Ça ne doit pas être facile pour mon frère d'avoir des problèmes pour trouver du travail, d'avoir une dette et aussi une personnalité difficile. Comprendre la perspective des autres nous permettra de mieux contrôler la situation. Cela fera en sorte que lorsque nous serons prêts à offrir de l'aide, elle soit plus opportune. Et lorsque nous ferons des critiques constructives, elles seront plus précises et motivantes. Numéro 4. La force du bambou. Il arrive parfois que la situation avec des personnes difficiles atteigne une limite et que nous ne soyons pas seulement acculés, mais que nous nous sentions pliés, voire complètement humiliés. Dans ces moments-là, le Tao nous recommande de visualiser du bambou. Le bambou aussi se plie. Il subit l'impact d'un vent violent qui veut le contrôler et l'avoir sous son emprise. Cependant, cela ne se produit jamais, car le bambou tire sa force de sa flexibilité. Le fait qu'il se plie le rend plus fort lorsqu'il réagit. Nous pouvons aussi faire cela. Quand nous sentons que nous avons atteint la limite, il est temps de nous relever avec une force accrue pour générer un changement. Nous n'utiliserons pas la violence, car la force n'est pas la violence. C'est la capacité de répondre. C'est savoir comment nous positionner avec courage devant ceux qui osent nous transformer en quelque chose que nous ne sommes pas, des personnes faibles. Le monde est sacré. Il ne peut pas être amélioré. Si tu le manipules, tu le ruines. Si tu le traites comme un objet, tu le perds. Chers amis, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous. Votre soutien, vos vues et vos j'aime sont des témoignages précieux de l'énergie positive qui circule au sein de notre communauté. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et réaliser que mon contenu résonne avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Votre soutien continu m'encourage à repousser mes limites et à créer du contenu qui vous inspire et vous enrichit. Merci infiniment pour votre présence et votre engagement.